Alors vous allez me dire, comment faire pour savoir s'il y a une otite? Eh bien, malheureusement, il n'y a pas de truc. Pour le savoir, le meilleur moyen donc de confirmer la maladie est d'aller voir au fond du conduit auditif avec un otoscope. Alors bien sûr, les otites font typiquement mal et en plus, le petit a souvent de la fièvre. Les parents racontent en effet souvent que leur enfant touche son oreille depuis quelque temps. L'histoire vraiment typique en fait est celle d'un jeune enfant qui a un rhume depuis une semaine et qui dort mal depuis quelque temps. Disons même qu'il hurle souvent pendant la nuit lorsqu'il est en position couchée. Et puis on retrouve souvent aussi une fièvre qui peut être plus ou moins élevée. Il faut noter cependant que dans une minorité de cas, la douleur ne semble pas toujours être présente. Et puis oui, on a aussi les facteurs de risque dont j'ai fait la liste, évidemment. Mais tous les enfants avec une otite n'ont bien sûr pas tous les facteurs de risque qu'on a déjà mentionnés. Et d'autres, sans aucun facteur de risque apparent, ont tout de même des otites. C'est plus rare, bien entendu. Alors un enfant avec une otite conserve souvent, au-delà de la douleur et de la fièvre, son activité habituelle. Et si ce n'est pas le cas, on doit aussi suspecter autre chose de plus sérieux. Bien entendu, les signes de la maladie respiratoire virale, typiquement le nez qui coule, avec ou sans toux, sont aussi souvent présents. Et donc, en pratique, on va aller voir dans les oreilles du petit, et puis si on voit un tympan rouge bombé et une couleur jaune, c'est-à-dire du pus par transparence derrière le tympan, ben, on a un diagnostic d'otite. Enfin, on observe parfois un enfant avec une conjonctivite, c'est-à-dire des yeux bien rouges, et de la fièvre. Ces enfants, il faut aller voir dans leurs oreilles, parce qu'ils ont parfois en plus une ou deux otites. On appelle ça alors le syndrome otite conjonctivite.